Vendredi 9 février 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carte pour nous capables pour la dernière sortie de journal pour la semaine-là. Entre temps, qui nous souhaitons passer un excellent week-end, bien sûr, déjà, nous souhaitons tout le monde passer un joyeux carnaval. Joyeux carnaval, Ruben Dumont. Joyeux carnaval, Ekadine, bonjour, moi content ensemble avec vous. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. C'est un plaisir pour nous capables, ensemble, pour capables porter tout élément, information, dernier pour vous, pour la semaine-là. Et puisque week-end, ça, j'en dis là, Ekadine, c'est pas le carnaval, je vous souhaite un très bon week-end. Merci Ruben, et certainement on a passé un très bon week-end. Pendant le week-end, ça aussi déjà, c'est un week-end qui a eu un pile d'activités culturelles, notamment nous connaissons un week-end qui a passé long également. Donc, quittez-nous par vos téléspectateurs et téléspectatrices, chaînes qui ont différents points qui ont pour dominer l'actualité pour matin, pour nous faire contenir. Direction départementale CIDES TPTC recevoir flotte équipement PAL hier jeudi 8 février pour faire travail caravane changement. C'est président de la République, la Jovenel Moïse, qui remet équipement ça en présence autorité locale. Yon journée porte l'ouvert organisé à Yen, ministère, conditions femmes et droits femmes, dans l'occasion réouverti centre documentation ministère. Si là, centre ça permet moun qui intéressé à question égalité femmes et garçons faire recherche sans problème. Brasserie nationale d'Haïti dans tête collée à Conan O'Brien a annoncé officiellement hier jeudi 8 février un don $100,000 américains par organisation Help pour renforcement institution si la cap travaille dans développement dans pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, une quarantaine de monde a perdu la vie dans inondation dans Bolivie à cause de la pluie qui passe 6 points tombés pendant dernier temps ça yo dans pays ici-là. Président bolivien Evo Morales a décrété état d'urgence face à situation catastrophe naturelle ici-là. Ensemble pour ça avec un pilote pour faire essentiel journal la redmancher n'a tourner un petit moment. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a démarré avec information pour une fois qu'on est direction départementale Sud-Est TPTC recevoir flotte équipement PAL hier jeudi 8 février pour capable faire travail caravane changement. C'est président République la Jovenel Moïse qui remet équipement ça en présence autorité locale. Matériel ça va faire qui travaille curage, drainage, construction route, assainissement dans département Sud-Est. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jonaël Duvernay présenter un compte rendu nous suivre. Population Sud-Est là, avec autorité locale, a accueilli en grand pompe président Jovenel Moïse dans ville Jacmel. Sénateur Joseph Lambert expliquait, département Sud-Est là, 7e département qui recevoir l'eau équipement pour faire travail caravane changement, gagne une façon spéciale pour collaborer avec chef l'État dans l'initiative ça. L'unité, la solidarité, l'entente parfaite, c'est ça qui doit commander comportement nous en tant que responsable l'État, en tant que sénateur de la République, en tant que député du peuple, en tant que président et parlement, en tant que exécutif et pouvoir judiciaire. Moi dis nous toutes merci. Mais nous-mêmes, nous avons 25 millions de gouttes sous budget que nous mettons comme fonds de développement départemental. Et en plus de ça, nous avons un sénateur Dieu Pitou qui a 25 millions de gouttes sous budget. Dans l'argent, ça, là, nous montons l'hélicoptère, nous mettons d'accord pour nous faire qui ça avec elle? Pour que nous prenions l'argent, ça, pour nous mettre ensemble, pour nous faire caniveau. Zoranger, qui t'en promesse. Ande la Bidou, qui te promesse. Ande Kavof, qui te promesse. Ande Monchil, qui te promesse. L'amandou qui t'en promesse, en d'un baïa, en d'un démontreuil, pour nous promesse, pour nous continuer, mettre, faire avec l'argent pour continuer route la montagne, pour chavirer sous brésilienne. Et après ça, nous allons continuer à mettre avec députés, pour nous prendre l'argent, pour nous faire caniveau dans la ville. Parce que département Sud-Est, ce n'est pas Jacques Mel. Département Sud-Est, c'est Jacques Mel comme commune, mais c'est l'autre neuf communes qui gagnent dans le département. Président Jovenel Moïse présentait population en liste projet administration Languien pour Sud-Est PIA dans le niveau infrastructure routière, tourisme et l'autre encore.
Chef l'État dit qu'il y a une disposition qui prend pour matériel l'État jouer un plus bon traitement. Lundi, monsieur, chaque direction départementale a bien pour faire 100 km route chaque année. C'est pas là que je vais laguer directeur pour contre lui. Ministre n'a pas le point directeur pour laguer le temps pour petit mis en garde. Ministre n'a pas le directeur gaz. Tout équipement ça nous est là, il a acheté son contrat. Réparation pas sous compte l'État, entretien pas sous compte l'État. Les gens en panne, c'est pour venir ranger tout de suite. Pas une question d'équipement en panne pour directeur départemental à casser tête li. Tout équipement, il y a 12 000 heures garantie ou bien 4 ans garantie. Il y a tout. Que l'État n'a pas rien à dépenser pour réparer. Yon nan yo. Avec dit depuis en panne, venir ranger. C'est comme ça équipement yo acheté. Ça veut dire, direction départementale là, directeur, seul souci l'a gagné, c'est avec gaz. Bon, mais ceci l'a réglé. Ça veut dire qu'il y a 30 000 gallons de gaz chaque mois qui vous fait tout équipement au marché. Et le peuple là-bas me dit non, ça vous connaît tout. Et je dis publiquement, directeur, gaz là, c'est côté équipement qui travaille. Compagnie qui a un contrat, il va aller mettre gaz dans l'équipement directement. Pas qu'un équipement qui va mettre gaz dans l'équipement. C'est courant. Je dis à me dire non, il manque 19 mois pour payer, il y a un courant 24 sur 24. Jacques Mel, c'est pas dans le pays allié. Département sud-est, c'est pas dans le pays allié. Et pas dans le pays sud-est, ça y est. C'est la suite de ça, oui. Eh bien, même gens, l'aime d'avoir acheté l'équipement, dans le mois d'avril, vous avez dit, bon, président, ça, nous parlons pas de bon bagage, pas café. Quand elle va jouer de l'argent pour acheter plus l'équipement, ça. Et puis, je dis, ah, mais c'est sur l'équipement, vous avez c'est même gens qui courent, tout. Président, ça, quand elle joue de bol, ça, l'a dit, qu'on a 24 jours, 24 ans. Eh bien, tant 19 mois. Et pas 19 mois, on a tant pour nous bailler, courant. Elle avait dit, travail commence à faire études sur cascade bichon à faire déjà blanc sorti Canada vingade déjà qui ouais qui tue bin qui a installé sous lui études ville Jacques Mel a fait pour qu'on combien mégawatts parce que nous avons 6.2 mégawatts diesel installé Jacques Mel nous pas dans question de diesel encore nous dans fin semaine ça trois départements qui rete yo NIP sud à Grand'Anse a recevoir flotte équipement payo n'a pas rappelé dans le moment où on a parlé, la caravane de changement a réalisé dans tout le pays. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes a organisé une journée porte l'ouvri hier jeudi 8 février pour capable renforcer cette documentation qui est dans le ministère SILA. D'après ministre Femmes et Droits Femmes, une aide innocente, c'est grâce à CIPO USAID et à Femmes dans la démocratie qui permettent sans ça relouvrir. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes fait connaître une mesure kounia là pour capable recevoir n'importe qui étudiant qui veut faire recherche sur ça qui gain pour égalité entre femmes avec garçons. Pour qui ça une dynamisation sans ça, c'est parce que en fait le ministère l'a constaté, peut-être que nous-mêmes nous avons courant même gens avec nous avons constaté ça, que de plus en plus, il y a un pile monde qui est intéressé par la question de genre. Le ministère là depuis création en 1994, en dans une direction qui est la direction de prise en compte de l'analyse selon le genre, qui est encore des PAG, l'instituer ou bien l'instaurer en dans une entité qui occupe de questions de documentation selon le genre, documentation intégrée. Après tremblement de terre là, en 2010, le ministère là était censé perdre toute saleté gagnée comme documentation dans ce centre là. Et alors que nous remarquons de plus en plus chaque jour, en pile étudiants, étudiantes qui ont fini, que ce soit dans l'école normale supérieure, que ce soit dans l'ethnologie ou bien dans l'autre faculté, ils ont besoin de recherches, ils ont besoin de documentation sur question de genre. Or, nous connaissons le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, c'est entité qui est responsable pour faire atterrir politique égalité gouvernement en matière d'égalité de genre. Donc, grâce à support USAID, grâce à support Femmes en démocratie, qui vient journée aujourd'hui à renforcer sans ça, nous dit que faut que nous relais public là, étudiants yo, anciennes étudiantes et nouvelles, qui qu'on vient faire recherche, qui qu'on besoin documenter, mais yo pas qu'on joigne assez d'éléments, donc nous dit journée aujourd'hui à faut que nous relais pour qu'on retourne pour nous dire journée aujourd'hui sans la renforcer et que
li prêt pour capable joindre des matériels que ministère là OK gagne les et puis les documents officiels de l'état aussi par exemple regardez sous table là nous nous gagne politique d'égalité que l'état haïtien adopté depuis 2014 OK nous gagne là nous gagne plan égalité en tout nous gagne politique d'égalité en même temps nous gagne en pile ouvrage que les chercheuses haïtiennes les poétesses monde qui a écrit nous dit journée aujourd'hui là la sous table là donc c'est ouvert au public tout le monde qui est intéressé à question de genre tout le monde qui est intéressé à politique égalité nous dit et centre de redynamisation ça li ouvri à eux-mêmes nous prêt pour nous cap recevoir yo pour nous cap documenter yo centre là ouvert pour cap venir faire recherche. Union européenne en tête collée avec association citoyen progressiste pour avancement avec construction PIA et puis bureau 9e section communale Carrefour mette bout à bout projet assainissement de l'eau dans la localité Fombrache hier jeudi 8 février. Projet assainissement de l'eau s'il a après aider divers monde dans zone n'a pas vite suivre. Je suis content d'être venu ici voir des bons résultats parce que si on veut que la solidarité internationale continue, que toute l'aide européenne continue de venir, il faut qu'on ait et qu'on montre les résultats probants à ce niveau-là. On va aller certainement dans le futur voir d'autres bons projets ici en Haïti. D'après vous, avec information, député Thomas Sekla, Francisca de la Cousa, visité hier mercredi passé à la commune, dans l'idée pour voir comment travailler route qu'a fait là dans la deuxième section, l'Oseille, localité Savanette, avancé. Habité au Bad Bravo pour initiative si là qui pourrait permettre de circuler plus bien. Yo souhaite plus moun, plus route fait dans la commune si là, pour arriver à soulager les habitants. À nous suivre. Avant le travail, ça a commencé. Nous-mêmes, parfois, moi-même, quand je parle à vous, je suis en petit moto. C'est qu'on dit, dans la main, juste pour arriver en l'air. Parce qu'on n'a pas passé sous nous, parce qu'on n'a pas côté pour que les moto passer. Je dis, que ce soit 20 kilos de monde qui a gagné, ou à entrer dans la zone, à l'aise. Qui veut dire, peuple est content? C'est la raison ça tout pendant et opérateur a travaillé là et tout le monde ça a sorti tout partout toute malari Don Diego et à Tonoav pour venir voir belle et travail qu'a fait dans zone là et nous dit merci député a et nous dit merci gouvernement mais avec travail ça qui fait là c'est comment nous senti nous venir voir améliorer et bien nous senti là son gros changement qui gagne pour nous oui. Nous sortis ça va venir pied à l'aise pour nous parce que quand nous chita là au carré long taxi vient chercher ou ta malade la vienne poisson sous ta gain pour mourir dans 10 minutes avant qu'arriver et taxi que ta menon l'hôpital qui veut dire pour nous même nous sortis nous bien nous sortis nous même les nous pas dans ville là mais sans nous dans ville là parce que nous gain même privilège avec monde qui a vivre dans ville là parce que santé nous ont déjà amélioré. Gaski National d'Haïti en tête collée avec Conan O'Brien annoncé officiellement jeudi 8 février yo fait don $100,000 américains by organisation Help Asian Education Leadership Program. Manager affaires publiques Brana Régine René Labrousse fait connait Brana joignant avec Conan O'Brien pour renforcer institution sila cap travail dans développement pays. Directeur national Help Gary Delis Soubopal fait connait don ça pralé de en cadre plus jeunes dans leur formation professionnelle et universitaire, mais tout plus boost d'études avec les gens qui ont plus besoin dans le pays. En suivant, yon bout dans la déclaration, yon dans le micro d'Aline Dorival avec Laurent Dali Jean-Jacques. En tant que nous gagnons avec Conan, nous dit au lieu que nous mettons COP dans l'entreprise Conan, qui l'autre bon, qui ça nous a fait ensemble pour renforcer un programme en Haïti? Et puis, il me dit moi-même, Brana mette $50,000 dans help. Conan dit nous-mêmes tout. So, c'est ça qui est le lien. Au lieu que nous-mêmes nous payons une entreprise américaine, nous tous les deux nous mettons ensemble pour renforcer une institution haïtienne. Pour un monde qui n'a pas de rien du tout, qui n'a pas de même payer faire machine, et puis je dis qui gagne $20,000, $30,000 américains dans l'année. Mais ce qu'on gris ou qu'on m'a bien couché pour écouter, nous avons sorti sans espoir. Sans espoir et pour avoir opportunité ça. Donc, vous avez qui changement qui fait dans la vie par eux et qui changement vous pouvez faire dans la vie de l'autre monde. Et je vous dis l'autre chose qui est intéressant, c'est retour dans la communauté.
Donc étudiants pas concentrés en dans rep n'importe prince, il y a étudiants qui tournent la caillou al bail service la caillou. N'a pas rentré dans dossier carnaval, carnaval c'est pour 3 jours, mais conséquences c'est pour toute la vie. Ce message ministre conditions femmes et droits femmes unis innocents lancé par tout le monde qui prend plaisir dans carnaval. Ministre a demandé carnavalier pour capable prendre précaution pour éviter drogue avec alcool pendant insister pour mesdames prendre plaisir mais ça yo pas oublier protéger tête yo. Il est dans micro Marie-Jolie et Rémi Goudji. Nous pral chanter, danser, célébrer pendant Haïti sous route changement. Carnaval, c'est espace pour tout le monde. Femme ou garçon, prend plaisir sans violence. Ministère conditions femmes et droits femmes a fait tout le monde songer. Femme actifique doit participer dans carnaval sans passer de violence sexuelle, physique et verbale. Tout artiste, Didier, à groupe musique, by population en plaisir, sans yon pas utiliser message, cap dénigrer ou soit rabaisser femmes. Carnaval, c'est un espace pour tout le monde venir fêter dans respect l'un pour l'autre. Pendant la période carnaval, le ministère a poursuivre la campagne, li lancé depuis l'année 2007, la, respecté comme ses dignités. Pendant la présence, pour sensibiliser la population, sous respect droit à corps femme. Droit pour femme gen loisir sans qu'elle saute et puis accompagner femme active qui besoin assistance pendant période ça. Mesdames, songez pour prendre toute disposition nous capable pour nous pas victimes tant que marcher en groupe, pas boire alcool sans contrôle ou soit avec monde nous pas connaît et l'atelier. Toujours songez, toujours réfléchir sur qui j'en a rentrer la caille nous les carnaval fini. Pas négliger protéger tête nous contre toute maladie nous ka prendre dans faire bagaille sans oublier protection nous ka prendre pour nous pas enceint trop bonnet si nous pas vle ou bien si nous pas paré pour ça sous route changement violence sous forme actif pas la donne ministère conditions femmes et droits femmes a souhaité tout le monde à la roun badé femme con garçon yon bon carnaval 2018. Direction départementale, département patrimoine avec touristes, institut supérieur études et recherche en sciences sociales organisé deuxième édition festival dans le local faculté hier jeudi 8 février. Dans l'occasion, étudiants ont fait un chita parler dans l'idée pour sensibiliser acteurs concernés sur façon y a organisé carnaval dans le pays. Daniel Jennifer avec Steve Casimir, étudiant patrimoine avec touristes faculté IRA, attire attention autorité aux manifestations culturel ça qui ca servi moyen pour rapporter l'argent dans l'économie pays a un extrait de micro Marie Dieudonne Heurtelou avec Rémi Godji. Festival qui jodi en c'est deuxième édition qui gagne plus aspect touché kounia c'est pas question peinture seulement donc avec des étudiants qui d'abord festival c'était projet collègue nous mais avec des étudiants dans le département qui ici là donc nous travaillons ensemble qui c'est dans le domaine histoire qui c'est dans le domaine patrimoine qui c'est dans le domaine sciences politiques pour nous comprendre activité carnaval en façon pour lire et puis chercher pour nous comment nous capable mettre carnaval en non modernité côté que nous capable permettre que toute qualité rang social toute qualité monde dans société a capable profiter de l'activité ça donc c'était objectif là ça c'est ça fois après que nous non seulement activité painting qui gagne aspect qui plus soit jeune yo et puis nous entrer question rara qui fait aspect patrimoine la caille nous surtout depuis nous rara nous antiquité nous patrimoine nous et puis nous fait l'autre aspect entrer là dans tout à coup gagne l'autre gagne conférencier surtout c'est université nous dans domaine là nous gagne les recherches que nous fait donc nous fait des conférences qui parle montrer valeur carnaval en Haïti et comment nous capable vendre activité ça dans cadre côté que nous capable rentrer font rentabilité pour pays nous basé sur une politique culturelle une politique touristique et une politique économique déjà nous connaît carnaval là qui sont manifestations culturelles gagnons des autres cap fait là-dedans c'est-à-dire gens que collègue là te dit là même au niveau du thème carnaval là jazzio pas chita vraiment sur thème carnaval là ou du moins thème carnaval là supposé un thème qui est apolitique carnaval national comme une activité culturelle doit aller à l'encontre de tout ça qui gagne pour avec politique déjà pour politique touristique là
carnaval national supposé embrasser toute activité touristique qu'a fait dans le pays. C'est-à-dire, Jean collègue là, t'es dit là, faut nous vendre une meilleure image au niveau réseaux sociaux. Même gens que voisins nous appellent, ils ont servi avec réseaux sociaux pour être capable de propager toute activité culturelle qui est la caillou. N'a quitté dossier carnaval, nous pour aller dans le domaine de la santé. Plusieurs personnels dans l'hôpital communautaire référence Nicolas Armand, dans la commune Akaye, campé travail à cause d'un mauvais traitement, yodi y a subi depuis quelques jours, d'après porte-parole employé, lui, Justin Galema. Personnel ça a fait diverses recommandations tant que matériel pour l'hôpital la capable travailler et puis pour capable nommer moun ki contractuel yo. Yo souhaité autorité yo répondre à recommandation yo yon manière pour capable reprendre travail dans l'hôpital Sila. En nous suivant reportage avec Rodney Doléan et puis Henri Robert Chéri. Sorti dans l'urgence, passé dans diverses salles de consultation, tombé dans le laboratoire et pharmacie qui n'a pas ça, constat montré aucun service pas disponible dans l'hôpital communautaire référence Nicolas Armand à Akaye. Une situation qui existait depuis quelques dates dans l'hôpital là, d'après lui Juste Galem, un citoyen qui travaille dans l'hôpital ça. Pharmacie vide, laboratoire vide. Et puis même dans l'urgence là on va rien rien. Mettez sous équipement l'hôpital ça a pas gagné, employé à gageux qui représentait 80% dans l'hôpital communautaire à Kayer, gè plus passé en l'année depuis au pas touché. Raison en plus qui poussait au campé travail depuis quelques jours. Côté que nous ensemble employé à gageux, nous représentons près de 80% et personnel qui travaille dans l'hôpital là, et bien nous gè plus que 14 à 15 mois, gè tim gè 12 13, yo pas jamais payé yo. Et t'es une administration qui est en place, l'administration ça retire l'école, nous ne savons pas comment. Et puis tout arrière salaire ça aurait été là. Un nouveau conseil a bien pour remplacer directeur qui était dans tête l'hôpital communautaire référence Nicolas Armand avant longtemps, d'après un responsable dans l'hôpital ça qui pas décidé parler dans micro la presse. Citoyen ça souhaitait conseil cap venir pencher sous crise cap traverser l'hôpital là. Nous pratiquement arrivé dans moment pour nous aller dans l'actualité internationale là Jean qui nous a annoncé les différents titres pour nous faire connaître gros la pluie qui passe suspend tomber dans pays Bolivie la cause inondation ça qui déjà fait à la cause environ une quarantaine monde perdu la vie. Président bolivien Evo Morales décrété plutôt état d'urgence. N'a pas vite suivi un reportage avec Euronews. État d'urgence décrété en Bolivie, les inondations ont encore fait 2 morts après la crue de la rivière Taquina dans la ville de Ticapaya. Depuis le début de la saison des pluies, une quarantaine de personnes ont perdu la vie, notamment dans des glissements de terrain. 50 000 Boliviens sont désormais sans abri. Dans le pays États-Unis, depuis matin vendredi à la plus passé 850 000 employés fédéraux capables rentrer en chômage à cause du Congrès américain Paris Véjeunion en tentant sous question budget. Ça qui la cause que l'État central pas capable de payer plusieurs milliers de fonctionnaires. Euronews pour plus de détails. Quand ils se lèveront ce vendredi matin, qu'aura décidé le Congrès des États-Unis? Les fonctionnaires américains seront-ils au chômage technique ou non? Il faut savoir que faute d'accord sur le nouveau budget au Congrès, le gouvernement ne disposera plus de crédit et devra suspendre ses milliers de fonctionnaires. À minuit heure de Washington, le Sénat, ralenti par l'obstruction d'un de ses membres, a théoriquement et très brièvement interrompu le financement de ses fonctionnaires en s'opposant au vote du projet d'accord budgétaire trouvé hier par les dirigeants démocrates et républicains. Mais un nouveau vote a eu lieu et le projet est passé. Le shutdown a donc été levé. C'est désormais au tour de la Chambre des représentants de se prononcer et ce vote s'annonce très difficile car élus démocrates et républicains disent avoir des raisons de s'y opposer. L'administration Trump a déjà vécu sa première paralysie le 20 janvier dernier. Elle avait duré 3 jours. Voilà, c'est avec dernière information ça que journal la cab pour aujourd'hui, mais juste avant nous aller quitter nous rappeler le principal point qui était fait essentiel. Direction départementale Sud-Est TPTC recevoir flotte équipement pal hier jeudi 8 février pour faire travail caravane changement, c'est président République la Jovenel Moïse qui remet équipement ça en présence autorité locale.
Une journée porte l'ouvrier organisée à hier dans le ministère conditions femmes et droits femmes dans l'occasion réouverti centre documentation ministère si là ça permet à monde qui intéressé à question égalité femmes et garçons faire recherche sans problème. Brasserie nationale d'Haïti en tête collée à Konana O'Brien annoncé officiellement hier jeudi 8 février 2018 là yon don $100,000 américains by organisation Help pour renforcer institution cela qui a travaillé dans développement dans pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, yon quarantaine moun ont déjà perdu la vie dans inondation dans pays Bolivie à cause de la pluie qui passe 6 pontes tombées pendant dernier temps ça yon dans pays cela. Président bolivien Evo Morales a décrété état d'urgence face à situation catastrophe naturelle cela. Voilà, nous sommes contents ensemble avec vous, nous sommes capables de porter pour la dernière sortie téléjournal pour semaine si là. Entre temps, très bon week-end Ruben Dumont, joyeux carnaval. C'est un plaisir, Kadine. Bon week-end à nous tous qui t'a regardé nous là. Bon carnaval à nous-mêmes. Et certainement, nous croiser pour la prochaine occasion. Bon carnaval, Kadine. Merci Ruben Dumont. Très bon carnaval et avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices et TNH déjà dans la vidéo, toujours été branché. Télévision d'État, puisque nous avons mobilisé pour nous capables de permettre de vivre le carnaval 2018 là dans les moindres détails. Donc, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée de vendredi. Nous croiser dans la prochaine sortie téléjournal là.